Bonsoir à toutes et à tous. Good evening, everyone. Welcome to the 2021 Poetry and Voice National Finals. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette grande finale des Voix de la Poésie 2021. My name is Joanne Blais, and I'm delighted to join you tonight. I would like to begin by acknowledging that although this event is taking place online, in fact, we're all tuning in from so many different places across Canada. We have a huge country that encompasses treaty lands and unceded territories. Nous voici donc réunis de partout au Canada pour la deuxième édition de la grande finale en ligne. Et ça fait plus d'un an déjà que la pandémie a chamboulé nos vies et le monde entier. Let's face it, COVID put everything into question. And yet, poetry stood the test. One of the most emotional moments during this past year of turmoil was Amanda Gorman. Here she is, a young poet. She's not much older than many of you students, reciting soaring verse at the US president's inauguration. When day comes, we ask ourselves, where can we find light in this never-ending shade? The loss we carry, a sea we must wade. We've braved the belly of the beast. We've learned that quiet isn't always peace. In the norms and notions of what just is, isn't always just is. Here in Canada, we have the chance to listen to Lysiane Kwaku. Elle a été la gagnante de la deuxième place du concours bilingue en 2020 et elle a récité en français et en anglais lors de la prestation du serment du mois de l'histoire des Noirs. Et la voici récitant « Ma terre, je la prendrai » de Natacha Canapé-Fontaine. Ma terre, je la prendrai dans ma main. Je la soignerai avec un pan. Ma jupe essuiera ses larmes noires. Mes cheveux, ses joues creuses, je la bercerai dans ses tremblements. Je ne dors plus et l'endormirai sur mes genoux et saluerai mes ancêtres de la main avec le bégaiement, l'enfant à naître que je suis. Beautiful. And by the way, Lysiane is also reciting tonight. So, the time has come. Let's meet our 9 finalists. We'll start with the English stream. Hi, I'm Tierney Dignadise from Lord Selkirk Regional in Selkirk, Manitoba. Hi, I'm Elle Gilbert. I'm from Kildonanese Collegiate and I'm from Winnipeg, Manitoba. My name is Zara Smith. I go to West Point Grey Academy and I live in Vancouver, British Columbia. Accueillons maintenant les finalistes de la section française. Bonjour, je m'appelle Reda Issy et j'étudie à l'École internationale de Montréal, à Montréal, Québec. Bonjour, je m'appelle Lysiane Kwaku. Je vais à Sir Winston Churchill High School à Calgary, dans la province de l'Alberta. Bonjour, je m'appelle Romy Poyeau. Je viens du Collège Beaubois, dans la ville de Pierrefonds, dans la province du Québec. Et au tour maintenant des finalistes de la section bilingue. Hello, I'm Sarah Hamdi and I'm a student at the University of Toronto Schools in Toronto, Ontario. Bonjour, je m'appelle Rachel Lyonnais Saint-Martin et je suis étudiante au Collège Jean de Brébeuf à Montréal, Québec. Hello all, my name is Philippe Nedelef from Toronto French School in Toronto, Ontario. Say hello to your fans, poetry stars! Je vous présente les finalistes de l'édition 2021 du Grand Concours des Voix de la Poésie. Alors, dans quelques instants, nous allons écouter de la poésie classique et contemporaine en français et en anglais. Et nous allons ensuite couronner un lauréat ou une lauréate dans chacune de ces catégories. Our winners today will be chosen by a panel of distinguished poet judges and they will introduce themselves to you now. Rencontrons d'abord les poètes siégeant au jury des récitations en français. Bonjour, je suis Nicole Brossard, poète, romancière et essayiste. J'ai publié mon premier livre en 1965 et depuis, ça ne s'est jamais arrêté. J'ai publié entre autres Le désert mauve, Cahier de roses et de civilisation, Musée de l'os et de l'eau.
En 2012, j'étais membre du jury des Voix de la Poésie et je dois vous dire que c'est avec un très très grand plaisir que je suis à nouveau avec vous. Merci. Allô, je m'appelle Georgette Leblanc, je suis poétesse. Je suis l'auteur d'Alma, Amédée, Prudent, Le Grand Feu et toutes sortes de petites chansons, textes, poèmes. J'ai publié cet été-là. Ça me fait plaisir d'être ici parmi vous autres aujourd'hui. Bonjour, mon nom est Hector Ruiz. Je suis professeur de littérature au Collège Montmorency et poète également. J'ai publié Racines et fiction aux éditions du Norrois en 2019 et j'ai publié Taverne nationale chez Triptyque en 2019 avec mon ami et collègue Dominique Marcille. J'ai eu l'immense honneur de faire partie du comité éditorial pour l'anthologie et j'ai le grand plaisir d'effectuer des ateliers comme poète à l'école pour les voix de la poésie. Now let's meet the poets judging the English recitations. Hi, my name is Matthew Henderson. I'm a poet here in Toronto. I've written two books of poetry. The first book was called The Lease, and the second came out last year. It was called Roguelike. I've had the chance to work with Poetry and Voice a number of times in the past, judging the national finals once and visiting a number of classrooms and getting to work with students. I'm really excited to be here tonight and listen to some great poems. Hi, my name is Evelyn Lau from Vancouver. I'm a poet who has published 8 collections, most recently Pineapple Express, which came out last year. I have been involved with Poetry and Voice through their Poet in Class program and also as a team regionals judge. Hi, I'm Damian Rogers. I am a poet and author, most recently of the memoir An Alphabet for Joanna. And I was also the founding creative director of Poetry and Voice, as well as the first English language editor for the poetry anthology that we use in the contest. So I am delighted to be here with you at the national finals. Alors, merci à vous, membres du jury. Nous sommes ravis de vous avoir parmi nous ce soir. And we're so lucky to have Wally back with us this year to play some tracks for us. Hello, Wally. Are you there? Yes, I'm here. Bonsoir, Joanne. We're so excited to have you. Alors, bien que ce soir, nous n'ayons le temps que d'entendre une seule récitation de chacune de nos finalistes, elles seront toutes disponibles en ligne après le spectacle. So tonight, we're showcasing one recitation from each of our students. Their recitations are organized by stream, and then I will have the immense pleasure to announce the winners of the contest. In the English stream, Tieni Digni Dise, Lord Selkirk Regional Secondary School, Selkirk, Manitoba. Conversion by Megan Fernandez. Sam says you can't name your book Good Boys without a dog. But Sam doesn't know that I am the dog. I am the ultimate mutt. And I am telling him this story at the bar called College Hill Tavern, which looks like a front for some operation where all the bar stools appear as if they were staged in under 10 minutes. And the girl with the fake lashes knows, I like a double gin. And I am telling Sam that I am a dog who was converted when I was 17, and my mother found an essay about how I was in love with a girl. And there was a Portishead reference, in case you need me to date it. And this was way before the liberation of the young and the white twins on YouTube who come out to their dad and everybody cries and transforms. When I see those kids, all I think is that they never had parents who were immigrants and who sent you to a lady and told you that you had to solve it all in one session because this therapy was expensive. It wasn't so traumatic. Rather funny. And I remember the couch. There were multiple couches and I had to choose a spot and I sat on the couch farthest from her and this wasn't the first nice lady who looked at me like I was a dog. And Sam, when I said it is called Good Boys, what I meant was that I was a good boy and loved good boys and good men and still love them. But you see, I was 17 and alone.
and nobody gave me anything except one book by Dickinson. And she was so neat, so precise, so human. And I wasn't. I just wasn't. I was just a dog. I wasn't even that good. Zara Smith, West Point Grey Academy, Vancouver, British Columbia. Wow, you've changed. Dina Dalbukia. You've changed. You used to be so... And now you're all... Like, you've transformed. I don't know how to describe. It's like... You don't like Canasta anymore. You text in all caps! Your selfies are so animalistic. Like, are you out to prove something? You're a lion! You're a bear! You're a maggot. You're a virus. I just don't know if we can be friends anymore. Al Gilbert, Kildonan East Collegiate, Winnipeg, Manitoba. America, I'm putting my queer shoulder to the wheel. John Elizabeth Stinsey. The night America took off her mask, we slept together poorly. I'd woken up early that Tuesday, dragged myself to a gymnasium in Jersey City to cast my vote into the void. I came all the way out to Hampton Bays to see her, her picking me up in that old Mercury van, her bringing us back to her place. As we watched the footage of the country reveal its frightening hue, we were shocked. But not. A few days later, I came back. My nails were painted blue the week after the mask fell from America's fist, the week when the victorious hatred began. I walked through Hoboken to work one morning, worried 10 tiny splashes of color on my body might be enough to get me killed. I realized then I had a choice. Stay queerly small and queerly quiet. Or become emboldened too. That, like a true American Nazi, I could drop my mask and live life alive. In the months after, I dismantled the mask piece by piece while America lifted her skirt to let free her pale hounds. I dipped my head in cerulean dye and felt mortality pound through every vein. Felt myself climbing to the paper surface of me. I let my body fold and unfold. I let my body be loved by a woman I loved more than air could explain. I let myself be a foggy pile of indeterminate me. And I learned to love myself like that too. Despite the fear of the mortal danger, I grew bold in a way the system hated. I decided that if this world was going to kill me, I die against the grain. I decided that if America confronted me with her rancid mouth screaming, I would stand as tall as her and scream back. My nails, bright and tiny nodes of resistance in the land of the craven. My hair, glowing like a backlit sapphire in a home of flame. I looked in the mirror and sang the words of a new, loud anthem. For this new, vast me. Beautiful work,
Tierney, Zara, and Al, congratulations for your recitations. I would like to say that some of the students who recited tonight and some of their peers also took part in our team regionals. They were held online this year because of COVID. But one advantage is that our judges received their videos from all across Canada, and now we can announce for the first time our national team recitation champions. The winners of our first ever English national team contest are, in third place, Kildonan East College, Winnipeg, Manitoba. In second place, Assumption College Catholic Secondary School, Windsor, Ontario. And the winning school is Simiamu Secondary School, Surrey, British Columbia. Alors les gagnants et gagnantes de la première édition du concours national de récitation en équipe en ligne sont en troisième place, University of Toronto Schools, Toronto, Ontario. En deuxième place, Collège de Lévis, Lévis, Québec. Et en première place, l'École internationale de Montréal, Montréal, Québec. Nous avons également tenu un concours national bilingue en équipe en ligne. In third place, West Island College, Calgary, Alberta. In second place, Toronto French Schools, Toronto, Ontario. Et en première place de la première édition du concours en équipe en ligne, nous félicitons l'École internationale de Montréal, Montréal, Québec. Well, congratulations to all of you. And I would also like to congratulate your teachers. They must be so proud of your accomplishments. They guided you through the contest, and here you are. And you all did so well. Mais d'abord, écoutons les récitations des finalistes de la section française. Lisiane Kwaku, Sir Winston Churchill High School, Calgary, Alberta. Qui es-tu? De Francis Pébé. Qui es-tu? Je suis Mamadi, fils de Dubaté. D'où viens-tu? Je viens de mon village. Où vas-tu? À l'autre village. Quel autre village? Quelle importance! Je vais partout. Là où il y a des hommes, c'est ainsi ma vie. Que fais-tu dans la vie? Je suis griot, m'entends-tu? Je suis griot. Comme l'était mon père, comme l'était le père de mon père, comme le seront mes enfants et les enfants de mes enfants. Je suis griot, pour vivre comme aux temps anciens. Des feux de joie et des danses rituelles, et chanter les hauts faits du vaillant guerrier, et la bonté du riche, qui laisse son miel couler dans ma calebasse, et son mie joncher le sol de ma case. Je suis griot, m'entends-tu? Je suis griot, comme du temps où nos pères ouvraient le cœur à la naissance du jour, et l'hospitalité aux voyageurs inconnus, attardés sur la route de la nuit. Je suis descendant de Dieli, l'homme à qui son frère donna sa propre chair et son propre sang pour déjouer la faim terrible. Dressé sur le sentier brûlant de la forêt, comme le masque menaçant du squelette de la mort. Je suis enfant de Guinée. Je suis fils du Mali, je sors du Tchad ou du fond du Bénin, je suis enfant d'Afrique. Je mets un grand boubou blanc. Et les blancs rient de me voir trotter les pieds nus dans la poussière du chemin. Ils rient, qu'ils rient bien. Quant à moi, je bats des mains et le grand soleil d'Afrique s'arrête au zénith pour m'écouter et me regarder. Et je chante. Et je danse, et je chante, et je danse. Entends-tu ce que dit Makoura? 21 cordes te parlent de la vie, comme les temps d'aujourd'hui ne la connaissent plus. Rida Essi, École internationale de Montréal, Montréal, Québec. Image virtuelle des hautes herbes. De Louise Fizet. Je m'enfoncerai dans les trous de la plaine, dans la tourbe où s'encaquent les errances effrayées des bisons, meuglant la découverte limitrophe de l'immense pays azuré.
ma main caressera le sommeil de brume à ras de terre pour que s'incarne dans le brasier des hautes herbes et des marécages fumants mes yeux ouverts. Je m'aspergerai des senteurs de la terre pour m'amener de force même à ce qu'il y a d'absolu en moi. Je suis de terre et d'histoire. Tout ce qu'il y a de surnaturel et d'imaginé existe depuis l'instant où je me suis mise à genoux pour toucher l'eau et le feu. Je me détache de la brume et de sa moiteur. Dans la poitrine, l'ouverture béante du ciel où je plonge le regard, je cherche la surface ardente pour brûler les images du monde et de ses objets. Ô miroir au fond de moi, l'onde des bras tendus, assoiffée d'amour, se tord et se réfléchit à ta surface en une répétition infinie. La vie est mortellement atteinte, mais dans la vision tapis sous terre, ce n'est rien de plus qu'une impression du chaos en moi. Romy Magdalena Pueyo, Collège Beaubois, Pierrefonds, Québec. Le sultan de Jacques Prévert. Dans les montagnes de Cachemire vit le sultan de Salamandre à Gore. Le jour, il fait tuer un tas de monde. Et quand vient le soir, il s'endort. Mais dans ses cauchemars, les morts se cachent et le dévorent. Alors, une nuit, il se réveille en poussant un grand cri. Et le bourreau, tiré de son sommeil, arrive souriant au pied du lit. S'il n'y avait pas de vivants, dit le sultan, il n'y aurait pas de morts. Et le bourreau répond, d'accord. Que tout le reste y passe alors, et qu'on n'en parle plus. D'accord, dit le bourreau. C'est tout ce qu'il sait dire. Et tout le reste y passe comme le sultan l'a dit. Les femmes, les enfants, les siens et ceux des autres. Le veau, le loup, la guêpe et la douce brebis. Le bon vieillard intègre et le sobre chameau. Les actrices de théâtre, le roi des animaux, les planteurs de bananes, les faiseurs de bons mots et les coqs et leurs poules, les œufs avec leurs coques. Personne ne reste pour enterrer quiconque. Comme ça, ça va, dit le sultan de Salamandre à Gore. Mais reste là, bourreau, là, tout près de moi, et tue-moi si jamais je me rendors. Bravo Lisiane, Reda et Romy. L'une des missions des Voix de la poésie est la promotion des langues officielles du Canada. Alors personnellement, ça me touche toujours beaucoup d'entendre des étudiants réciter de la poésie partout au Canada en français et en anglais. And speaking of two official languages, let's now watch the recitations of our bilingual stream finalists. Philippe Nedelev, Toronto French School, Toronto, Ontario. When I have fears that I may cease to be, John Keats. When I have fears that I may cease to be before my pen has gleaned my teeming brain, before high pilot books and charactery hold like rich garners the full ripened grain.
when I behold upon the night's starred face huge cloudy symbols of a high romance, and think that I may never live to trace their shadows with the magic hand of chance. And when I feel, fair creature of an hour, that I shall never look upon thee more, never have relish in the fairy power of unreflecting love, then on the shore of the wide world I stand alone and think, till love and fame to nothingness do sink. Sarah Hamdi, University of Toronto Schools, Toronto, Ontario. Carte d'identité par Mahmoud Darwish. Inscrit: je suis arabe. Le numéro de ma carte est 50 000. J'ai 8 enfants. Et le 9e viendra après l'été. Te mettras-tu en colère? Inscrit: je suis arabe. Je travaille avec mes camarades de peine dans une carrière. J'ai 8 enfants. Pour eux, j'arrache du roc, la galette de pain, les habits et les cahiers. Et je ne viens pas mendier à ta porte. Je ne me rabaisse pas devant les dalles de ton seuil. Te mettras-tu en colère? Inscrit: je suis arabe. Mon nom est commun. Je suis patient dans un pays bouillonnant de colère. Mes racines, fixées avant la naissance du temps, avant l'éclosion des siècles, avant les cyprès et les oliviers, avant la croissance végétale. Mon père, de la famille de la rère, et non des seigneurs de nos jours. Mon grand-père, un paysan, sans arbre généalogique. Il m'a appris les mouvements du soleil avant la lecture. La maison, une hutte de quartier, faite de roseaux et branchages. Es-tu satisfait de ma condition? Mon nom est commun. Inscrit: je suis arabe. Cheveux noirs, yeux marron, signe distinctif sur la tête d'une kéfia tenue par une cordelette. Ma paume, rugueuse comme le roc, écorche la main qu'elle empoigne. Mon adresse: je suis d'un village perdu, sans défense. Et tous ces hommes sont au champ ou à la carrière. Te mettras-tu en colère? Inscrit: je suis arabe. Tu m'as spolié des vignes de mes ancêtres et de la terre que je cultivais avec tous mes enfants. Et tu ne nous as laissé ainsi qu'à notre descendance que ces cailloux. Votre gouvernement les prendra-t-il aussi, comme on le dit? Alors, inscrit en tête de première page: moi, je ne hais pas mes semblables et je n'agresse personne. Mais si jamais on m'affame, je mange la chair de mon spoliateur. Prends garde. Prends garde à ma faim et à ma colère. Rachel Lyonnais-Saint-Martin, Collège Jean de Brébeuf, Montréal, Québec. Tête première par Ocean Vuong. Konkoziban konvoika, konkoziban maivoikon. Proverbe vietnamien. Ne sais-tu pas? L'amour d'une mère néglige l'orgueil comme le feu néglige les cris de ceux qu'il brûle.
mon fils. Même demain, tu auras aujourd'hui. Ne sais-tu pas? Il y a des hommes qui touchent des seins comme ils toucheraient le dessus d'un crâne. Des hommes qui transportent des rêves par-dessus les montagnes, les morts sur leurs épaules. Mais celui de mère peut marcher avec le poids d'un second cœur qui bat. Stupide garçon. Tu peux te perdre dans n'importe quel livre, mais tu n'oublieras jamais comme Dieu oublie ses mains. Quand il te demande d'où tu viens, dis-leur que ton nom a pris forme dans la bouche édentée d'une femme de guerre, que tu n'es pas née, que tu as plutôt rampé tête première jusqu'au ventre des chiens affamés, mon fils. Dis-leur que le corps est une lame qui s'aiguise en coupant. Félicitations, congratulations to all our students. Before we find out who the winners are tonight, such an exciting moment, I would like to tell you about the many prizes that we have for them. D'abord, nous aimerions féliciter l'excellent travail des 42 demi-finalistes de la grande finale. Chacun, chacune a reçu un chèque de $250 en reconnaissance de leur participation au concours. We're also delighted to announce our People's Choice winners. Over 10,000 votes were cast to decide who would take home the $500 prizes. En français, pour sa récitation de Barbara de Jacques Prévert, la gagnante est Marianne Arsenault de l'école secondaire Val-Mauricie, Shawinigan, Québec. And in English, for her recitation of Hanging Fire by Audre Lorde, Star Isiano from All Saints High School, Calgary, Alberta. In each stream, those who place third win an additional $1,000. They also win $250 for their school library to buy poetry books. Les lauréats en deuxième place gagnent chacun chacune $2,000 et $500 pour la bibliothèque de leur école. And the champion in each stream wins $3,000 for themselves as well as $1,000 for their school library. Okay, are we all ready? Alors, dans la section bilingue, roulement de tambour, s'il vous plaît, Wally. In third place, Rachel Lyonnais-Saint-Martin du Collège Jean de Brébeuf, Montréal, Québec. En deuxième position, Philippe Nedelev from Toronto French School, Toronto, Ontario. Et le grand prix de récitation bilingue est décerné à Sarah Andy, University of Toronto School, Toronto, Ontario. Bravo, bravo à tous les trois. Nous sommes si heureux et émus pour vous. Et maintenant pour la section française. En troisième position, Lisiane Kwaku, Sir Winston Churchill High School, Calgary, Alberta. En deuxième position, Reda Esti, École internationale de Montréal, Montréal, Québec. Et le grand prix de récitation française est décerné à Romy Magdalena Poyeau, Collège Beaubois, Pierrefonds, Québec. Bravo, félicitations à toutes et à tous. And now for the English stream results. In third place, Al Gilbert, Kildonan East Collegiate, Winnipeg, Manitoba. In second place, Zara Smith, West Point Grey Academy, Vancouver, British Columbia. And the top prize in the English stream in 2021 goes to Tiamidi Davise from Lord Selkirk Regional Secondary School, Selkirk, Manitoba. Congratulations to each and every one of you for your hard work, your tenacity, and your beautiful, beautiful recitations tonight. Thank you also so much to our glorious poet judges. Vous êtes au cœur de nos efforts et nous nous réjouissons de pouvoir travailler avec vous tout au long de l'année. Well,
That brings us to the end of our wonderful evening together. It's been a real pleasure to share it with you. Remember that you can watch all our finalists' videos on our website right after the show. Thank you so much, Wally, for your amazing entertainment. Bonsoir, Joanne. Thank you very much. As a lover of poetry myself, it's so amazing to see many young talents expressing themselves. It's beautiful. Peace. And I would like to add that our team wants me to send you their warmest greetings and that they are planning wonderful in-person celebrations as soon as we can get all together again, and hopefully it will be very soon. In the meantime, remember that there's all kinds of wonderful poetry on our website, so you're welcome to go and explore it online whenever you have a chance. Stay safe, everyone. Have a wonderful summer. Et vive la poésie!